Tristana, alors aujourd'hui je suis à l'hôtel et du coup je vous fais une petite vidéo depuis l'hôtel. En fait je suis donc à Munich, enfin pas tout à fait à Munich, mais je suis dans la périphérie de Munich. Et du coup voilà, alors j'ai envie de un peu vous montrer la chambre où je suis. Du coup c'est pour la Bourse aux minéraux de Munich, et puis aussi je vais un peu voir la ville, du coup je vais en profiter pour voir un petit peu la ville. Donc voilà. Voilà, donc je voulais parler un petit peu avec vous, vite fait. J'angoisse un petit peu parce que je sais que ça va être très très grand. Donc je sais pas si on pourra tout faire, si ça va être facile de pouvoir tout faire. Je pense pas qu'on puisse tout faire, mais bon, on verra bien. Et puis je sais pas si je vais arriver à vraiment acheter des choses ou si je vais pas du tout y arriver, voilà. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Parce que ça va pas forcément être facile pour moi de parler, etc. Voilà. Surtout si ça doit être en anglais. Donc c'est la première fois que je vais en Allemagne en fait, donc ça fait un peu bizarre de voir les noms allemands et tout, parce que bah voilà, c'est la première fois que je suis en Allemagne, c'est mon premier voyage en Allemagne. Donc désolée si j'ai une tête un peu fatiguée, mais on a fait genre 5-6 heures de route, donc c'est quand même pas mal. Du coup on est un peu crevé là. On va quand même faire un petit tour à Munich dans la soirée. Pour voir un petit peu comment c'est la ville et tout, parce que moi je connais pas du tout. Donc j'ai hâte de voir ça, franchement. Donc voilà, je suis très contente de ce petit voyage et j'espère que demain ça va pas être trop trop fatigant. Et aussi j'ai emmené avec moi une sardonyx. Donc c'est ma sardonyx, j'en parle dans mes vidéos. Je la trouve très très belle. Et en fait elle m'aide à avoir une certaine endurance et à pas me... Bah continuer même si je suis fatiguée quoi, en gros. Donc voilà, je l'ai prise pour ça. Donc voilà, je vais voir si ça me fait bien. Donc voilà, moi je vous dis à demain pour la Bourse aux minéraux. On voit ou pas la voiture ? Youpi. Attends, c'est par là ou ? Bon, on va en faire le tour. Ok. On va faire le tour par là. Mais c'est trop beau. Il y a plein de statues et tout.
j'avais pas vu. Waouh. L'intérieur, ça a l'air magnifique. Alors aujourd'hui je suis à la Bourse aux Minéraux du Mexique, comme vous pouvez peut-être voir derrière moi. Et du coup c'est vraiment très intéressant, il y a beaucoup de stands différents avec différentes provenances de pierres en fait. Et j'ai trouvé pas mal de pierres déjà, donc j'ai bien fait de venir. Et voilà, il y a vraiment toute une partie musée aussi qui est vraiment très intéressante, qu'on peut voir des pierres qu'on voit vraiment pas partout. Hein. Même dans les petites bourses aux minéraux de France. On ne peut pas avoir des choses comme ça, quoi. Et par exemple, pour vous montrer un exemple, j'ai trouvé cette alexandrite qui a des reflets un peu roses. Et du coup, j'ai fait plein d'autres achats, en fait. Et je vais sûrement vous les présenter à la fin de ce petit vlog, quand je serai du coup à l'hôtel. Et je vais sûrement vous présenter mes achats à ce moment-là. Et donc, j'ai trouvé aussi un endroit où on voit bien la vue. Donc, je vais vous montrer un petit peu la vue de tous les stands, en fait, vue d'en haut. Et il y a aussi une deuxième partie, donc c'est vraiment immense en fait. Donc voilà, c'est tout pour moi et je vous dis à bientôt pour la review des pierres. Ah, je viens le dernier croquant et il nous fait un petit coucou.
Recoucou les gens, c'est Tristana. Alors, je suis dans la voiture, on a fini, ça y est. Bah, du coup, on y est resté jusqu'à la fermeture en fait, jusqu'à 19h. Du coup, il est 18h30. Et du coup, les gens commençaient à ranger et tout. Donc, on y a été toute la journée. Et ça va plutôt bien en fait. J'ai un peu mal aux pieds, mais ça va. Par contre, j'ai acheté plein de pierres, donc ça, c'est vraiment génial. J'ai acheté surtout des pierres pour moi en fait, pour ma collection personnelle de lithothérapie, pour faire des tests, etc. Et puis éventuellement peut-être que je ferai des soins ou des choses comme ça plus tard, donc je cherche un petit peu à agrandir ma collection, donc voilà. Et puis aussi tout simplement pour le plaisir, parce que voilà, j'adore les minéraux, la lithothérapie, donc voilà. Et j'ai aussi acheté quelques pièces pour la boutique, donc des très jolis pendentifs. Et puis d'autres petites choses que je vous présenterai. Donc voilà, à tout de suite pour le déballage des pierres en direct. Oui, c'est Tristana, donc je vais vous présenter mes petits achats. J'en ai pour 400 € je crois. Donc voilà, j'ai tout dépensé. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Me revoilà, alors voici tous mes achats de la bourse aux minéraux de Munich. Et donc je vais vous présenter très vite fait les pierres, mais en fait je me rends compte que je vais plutôt faire une vidéo pour les expliquer une à une un petit peu plus précisément avec un mode macro, etc. Donc là-bas il y a une vanadinite, une prénite, un quartz avec des inclusions, donc quartz lodolite. Donc ça fait un très joli effet comme ça. Un lapis lazuli, je vous laisse sous cette forme là. Donc une purpurite et deux petites purpurites. Donc celle-là, elle a vraiment un très joli reflet, comme vous pouvez voir. Là-bas, c'est un jaspe dragon. Alors, je ne sais pas si c'est le nom aussi en français, parce que c'est la traduction littérale. Là, c'est une calcite bleue. Là, c'est un morceau de copale. Et j'aime beaucoup, parce qu'on dirait un peu une aile. Donc, je trouve très beau. Ici, c'est une labradorite violette. Donc je vous montrerai le reflet plus en précision dans une prochaine vidéo, mais on le voit déjà en fait. Hein. Donc ça c'est une pierre de soleil, un galet de pierre de soleil. Donc, pareil, le reflet je vous le montrerai plus en précision dans une prochaine vidéo. Ici une tourmaline rose, ici une kyanite, ou cyanite, que j'avais pas sous cette forme là. Là c'est une malachite, donc j'aime bien la forme qu'elle a en fait. Vraiment naturel. Là c'est du spinel. Là il y a une odialite, une staurotide, une cavanzite, de l'or piment, deux dioptases, une ouvarovite, la stibine que je voulais absolument. Donc je suis vraiment contente d'avoir pu en trouver, parce que j'en voulais depuis très longtemps, et donc voilà. Donc là c'est une labradorite dorée, parce que j'en ai pas, donc j'en voulais vraiment une. En tout cas quand je l'ai vue, voilà. Donc ça c'est une très belle sugilite, et quand elle est mouillée c'est encore plus joli, il y a un violet très profond. Et ça je vous montrerai plus tard du coup. Là c'est du soufre cristallisé. Là c'est un énorme collier de tourmaline. Donc ceux-là je vais en vendre sur la boutique des beaucoup plus petits, mais sous une forme cristallisée comme ça en fait. Donc de la tourmaline cristallisée en pendentif. Là c'est une apophyllite verte, là c'est une aigle marine, là c'est une petite pointe de quartz rutile en fait. Là c'est du vert libyen, donc c'est le même principe que la tectite ou la moldavite. Ça c'est une scolécite je crois, mais c'est très très fragile ça. Ça c'est une alexandrite et à la lumière on voit qu'elle a vraiment des reflets rouges. Et ça c'est une pyromorphite je crois. Et donc là c'est des pierres que je vais proposer aussi sur la boutique, donc du jaspe, je me souviens plus le nom, du gabbro. Ça c'est calcite miel je crois, ça c'est de la malachite, ça c'est de la chrysocolle, ça c'est de l'aventurine, donc un
les petits cœurs tout simples, les autres c'est des pendentifs, de l'apatite bleue en pendentif, et une tourmaline verte et une tourmaline rose en pendentif. Donc voilà, ça c'est des pierres que je proposais aussi sur la boutique, mais celles-là en fait ce sont les miennes, mais je vais aussi les proposer sur la boutique. Donc voilà, c'est tous mes achats que je vous présenterai prochainement dans une vidéo plus en précision. On s'en va. Coucou, c'est Tristana et donc on a acheté plein de trucs dans un supermarché allemand. Donc on a acheté plein de nourriture. Alors déjà il y a ça. Donc j'ai un expert en nourriture allemande avec moi qui va pouvoir expliquer c'est quoi les trucs à chaque fois. Voilà. Bon, ça je crois que je sais ce que c'est une espèce de salade de pommes de terre froide. Oui, c'est ça, salade de pommes de terre. Alors, bon, je sais pas si je suis un expert, hein, mais bon. Ouais. Mais oui, salade de pommes de terre, on trouve ça aussi en Alsace souvent. Mm. Et c'est. Bah, moi, je trouve ça assez bon, ça se consomme froid, effectivement. Et il paraît que la sauce, elle est bien et tout. Ouais. Ensuite, alors on a acheté plein de pains, en fait, parce qu'ils ont plein de pains trop cool, avec des sésames et. Graines de courge pour celui-ci. Des graines de courge, mais c'est trop cool. Bon, et puis les pains en Allemagne, il y en a des quantités, ouais. Des quantités énormes et puis des variétés vraiment très différentes. C'est trop bien. Il y a peu de pains blancs, mais beaucoup de pains complets. Franchement, c'est trop cool. Ah, il y a ça c'est trop bien. C'est comme les Anglais en fait, comme en Angleterre. C'est un peu de la gelée, donc du jelly. C'est un peu de la gélatine, sauf que j'ai l'impression que c'est plus dur parce que j'en ai mangé l'autre jour en fait. Et du coup, ça a l'air trop bien. Et le nom, c'est trop bon d'ailleurs. J'en ai goûté hier et c'est vraiment trop bon. Götterspeise, c'est la nourriture des dieux. Ouais. Voilà. Ensuite, là, il y a des gâteaux à la pâte d'amande, c'est ça? Oui. Beaucoup de pâte d'amande dans la gastronomie allemande, dans les desserts allemands, il y en a beaucoup. Massepain, marzipan en allemand. Ouais. Et aussi en italien, je crois. Bon là c'est du pain, alors c'est un peu du pain, enfin pas basique mais... pain complet. Ouais, pain complet, et du coup je pense qu'il peut-être qu'il est meilleur du coup que le pain complet. Ça c'est une espèce de soupe du coup. C'est une soupe avec des... c'est une spécialité bavaroise, il y a dedans des... ce qu'ils appellent des knödel, c'est des sortes de boulettes, ici au foie en l'occurrence. Les bas. Voilà. C'est une spécialité. Ouais. Ouais. On verra. De toute façon, je vais goûter. Ah, ça, c'est marzipan. Et donc, c'est. Petite pomme de terre, sauf que bien sûr, elles sont. Ouais. Pâte d'amande. Ce ne sont pas des pommes de terre, évidemment. Ah, ça, c'est trop cool, ça. J'ai vu ça. C'est. En fait, en gros, on met du lait. Et on mélange, et en fait, ça fait un truc au chocolat, une espèce de mousse au chocolat en fait. C'est trop bien. Une crème. Ah, mais c'est trop cool. En fait, c'est ce qu'on a mangé hier. C'est peut-être ce qu'on a mangé hier. Bah voilà, bah c'est trop bien, franchement, les desserts allemands sont vraiment bien. Exactement. Ils sont mieux qu'en France, hein, les desserts allemands, je trouve. Ah mince, ça s'est renversé. Donc, ça, c'est des Kinder, mais des Kinder qu'on n'a pas en France en fait. Pour ça, je suis pas Duplo. Sûr, moi j'ai jamais vu, hein. J'ai jamais vu ça, donc j'en ai goûté, hein. C'est super bon. Mais c'est un peu craquant, c'est un peu comme un biscuit. Ensuite, il y a ça, donc ça c'est froid, c'est des boulettes de... Donc noodles, c'est pareil que tout à l'heure, sauf que, enfin on peut les mettre dans la soupe, on peut les mettre aussi avec de la choucroute par exemple, n'importe quoi, des légumes. Ouais, c'est cool, la salade. Ça se mange chaud, hein. Ouais, trop bien. Et là, il y a de la viande. Ensuite, il y a... Ça, je sais pas ce que c'est. Le spätzle, c'est... Ça évoque un peu les pâtes, mais c'est pas tout à fait ça. Ça se fait à la poêle, en fait.
Et puis. D'accord. Et c'est des pâtes. C'est des formes de pâtes. C'est une ah ouais, de il en voit. Aux œufs. Ok, des pâtes et aux œufs. Par contre, ça se fait pas, ça se cuisine pas comme des pâtes normales. Ça se cuisine à la poêle. Ah, trop cool. Trop bien. Ensuite, on a acheté une boisson bizarre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire du coup? C'est un jus de fruits, oui. C'est du jus de fruits en fait, c'est plusieurs fruits. Mm. Et, et c'est pour la mémoire, c'est ça? Là, il précise que ça permet de. Mais learn, c'est comme en anglais en fait, c'est learn, c'est le verbe apprendre. Apprendre. Ah ouais, c'est marrant. Et enfin, un truc un peu hors sujet, on a acheté un truc comme ça en allemand. BD, c'est toujours marrant, les jeux de mots, tout ça. Mais ouais, c'est vraiment intéressant. J'aime bien les livres comme ça dans d'autres langues, je trouve ça génial. Voilà, donc c'est super cool. Et on a acheté aussi un. Trop bien, j'ai jamais vu ça en France. En gros, c'est une maison à faire soi-même en pain d'épices. Et j'ai jamais vu ça. C'est la maison de Hansel et Gretel. Ouais, avec la sorcière. Avec la sorcière. Trop bien, c'est trop bien ça. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a acheté dans une épicerie allemande. Voilà.